1,95 de France record. Opposé à la Namibie ce jeudi à Marseille pour son troisième match dans la phase de groupe de la Coupe du Monde, les Bleus ont signé une performance historique. Il y a 16 ans, à Toulouse, dans la même compétition, la France avait déjà infligé une correction 87-10 face à ce même adversaire. Cette fois, l'équipe de Fabien Galthié s'est imposée 96-0 pour obtenir la plus large victoire française de l'histoire, avec le plus grand nombre de points marqués. À la pause, la France menait déjà 54-0 avec 8 essais inscrits grâce notamment à Damien Penaud et Jonathan Danty, qui ont surgi chacun à deux reprises. Antoine Dupont a également participé à la fête, lui qui n'avait plus marqué d'essai en sélection depuis mars 2022. Néanmoins, la sortie du capitaine 45e pour une protocole commotion et une suspicion de fracture du maxillaire est le point noir de la soirée. Le joueur du Stade toulousain s'est rendu rapidement à l'hôpital pour effectuer des examens afin de savoir s'il souffre d'une fracture au niveau du visage. Malgré la sortie d'Antoine Dupont, l'équipe de France a continué sur sa dynamique en seconde période, d'autant plus avec un adversaire réduit à 14 en raison de la faute de Johan Dezel. Thomas Ramos et ses coéquipiers ont inscrit finalement un total de 14 essais, soit un de plus qu'en 2007 face à la Namibie. Trois records ont donc été battus au cours de cette soirée. Victorieuse de la Nouvelle-Zélande 27-13 lors du match d'ouverture, l'équipe de France devait rassurer après une prestation peu rassurante face à l'Uruguay 27-12. Le 6 octobre prochain, au Groupama Stadium, les Bleus devront conclure leur phase de groupe face à l'Italie.